eu un panorama général, donc moi j'ai choisi de me concentrer sur deux figures. Ces figures sont donc celles de Thérèse d'Avila, qui a vécu au XVIe siècle, 1515-1582, et Malek Jan Nemati, qui a vécu au XXe siècle, 1906-1993. Donc, a priori, tout les sépare. Et pourtant, tellement de choses les rapprochent. Et le fait de les rapprocher permet peut-être de réfléchir à une question qui a été souvent soulevée, à savoir, est-ce que le point d'unicité entre toutes les traditions religieuses et spirituelles n'est pas précisément l'expérience mystique? Alors, qu'est-ce qui les rapproche? Elles sont toutes les deux nées dans des familles extrêmement pieuses, des familles intellectuelles aussi, où elles ont reçu, avec une éducation très très rigoureuse et attentionnée de la part de leur père. Donc toutes les deux sont des femmes très cultivées et éduquées. L'autre point commun, c'est qu'elles ont très tôt, c'est-à-dire vers l'adolescence, elles vivent des états mystiques tellement intenses et je dirais, qui impliquent même leur présence physique au monde, et tellement intense donc que très tôt elles ont des souffrances physiques très grandes. C'est-à-dire qu'elles ont eu des souffrances physiques qui étaient liées probablement à des expériences spirituelles qui étaient tellement intenses que le corps s'en trouvait dans une sorte de souffrance. Autre point commun, c'est qu'elles ont vécu toutes les deux dans un monde religieusement troublé et gravement intolérant. Autre point donc commun, c'est qu'elles emploient toutes les deux la même expression, puisque comme vous le savez, Thérèse d'Avila a écrit un livre qui s'appelle « Le chemin de la perfection » et que Malek Jan, elle suivait une voie. Et cette voie s'appelle la voie de la perfection. Donc, il y a vraiment un travail de perfectionnement intérieur qu'elles ont mené et sans se connaître, ni l'une ni l'autre, elles employaient les mêmes expressions pour dire ce cheminement de réalisation intérieure qui a été le leur. Elles ont eu une expérience de ce qu'on appelle l'expérience de la théophanie. Ça veut dire la présence divine dans un être qui devient en fait votre maître spirituel. Et puis, elles vont même plus loin. Elles disent toutes les deux, mais quand je parle, ce n'est pas moi qui parle. Et je dirais que ça, c'est un point extrêmement intéressant, alors qui est peut-être un des traits de la mystique féminine, je vais mettre un bémol tout à l'heure là-dessus, qui est la question de l'effacement. Vous avez parlé de réceptivité tout à l'heure. Et il me semble que le fait d'être une mystique femme permet peut-être à ces personnages de se mettre dans cette position de ne pas être elle-même, c'est-à-dire de s'annihiler, de s'anéantir, de ne plus être qu'une courroie de transmission. Alors, le bémol, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont eu cette expérience. Mais comme par hasard, les hommes qui ont eu cette expérience emploient des expressions qui les font apparaître comme des femmes. Il me semble quand même que cette question de la féminité est au cœur des plus grandes réalisations mystiques. Et que Malek Jan et Sainte Thérèse ont porté cette féminité à un point qui est peut-être son point d'achèvement, précisément en tant que mystique accompli. Autre point commun, mais là c'est un point commun qui est commun peut-être à beaucoup de mystiques, c'est qu'elles ont consacré leur vie à l'oraison, à la contemplation, à la méditation et à l'attention, la vigilance. Malek Jan dira « Il n'arrive jamais que je ne sois pas accompagnée ». Donc, cet accompagnement divin est dans leur vie de tous les jours, à chaque seconde, à chaque minute de leur vie, cette présence divine est là. Pas seulement dans l'oraison parce qu'elles prient pendant des heures, pas seulement dans la contemplation parce qu'elles ont des moments ou des temps de retraite et de contemplation, mais aussi dans la vie active, dans la vie quotidienne, dans les moindres gestes de l'existence. Ce sont des femmes habitées par la présence du divin. Et là aussi, c'est un point commun à peut-être toute la poésie mystique. Quand on lit leurs poèmes, on voit que le thème qui domine est en effet le thème de la brûlure. Cette union qu'elles ont avec le divin, qui leur donne d'ailleurs des états d'extase qui fait quelquefois craindre pour leur vie, eh bien ces extases qu'elles ont vécues se disent en termes de brûlure. Donc elles disent « je suis brûlée, c'est un feu qui me dévore, cette ardeur de l'amour, etc. » Cette question de l'amour radical, absolu, qui se disent dans des poèmes incroyables, où vraiment c'est « tu es mon bien-aimé, il faut que tu me brûles et je veux mourir pour t'atteindre ». Enfin, il y a vraiment tout ce vocabulaire-là. Et c'est cela qui a marqué leur vie à la fois intérieure et extérieure. C'est peut-être finalement ce point qui est celui de l'amour radical, de l'abandon de soi entre les mains du bien-aimé, qui est le point commun le plus important, parce que c'est celui ensuite qui irradie le reste de la vie et qui fait que leurs langages sont si proches, que finalement leurs approches sont si proches, et que quelquefois, quand on lit les poèmes de l'une et de l'autre, on peut se demander si c'est l'une qui les a écrits ou si c'est l'autre. Finalement, il est vrai que ce point d'unicité, c'est l'expérience du divin dans la vie, de telle sorte qu'il irradie tout. C'est l'expérience de devenir rien pour recevoir le divin en soi.